Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'Hyper-V et de Windows 10. Nous verrons comment débuter avec la virtualisation sur Windows 10. Donc, dans un premier temps, nous verrons par l'intermédiaire de la présentation donc les différents prérequis. Nous verrons ensuite comment installer Hyper-V sur une machine Windows 10. Et puis, nous allons créer ensemble notre première machine virtuelle. Et on va regarder également tout ce qui est la notion de commutateur virtuel et les différentes options au sein des propriétés d'une VM sous Windows 10 avec Hyper-V. Alors commençons dès le début par les prérequis. Alors il faut savoir que Hyper-V, bien qu'il soit intégré aux licences Windows 10, ne s'installe pas sur n'importe quelle machine. Il y a différents prérequis à respecter. Parmi ces prérequis, déjà, il y a la version de Windows 10. Vous pouvez installer Hyper-V si vous avez Windows 10 Pro, Entreprise ou Éducation. Sur la version familiale, à moins de bidouiller, ce n'est pas possible. Ensuite vient tout ce qui est prérequis au niveau du matériel. Donc, il faut savoir que vous devez avoir une machine avec un processeur 64 bits où la traduction d'adresse de second niveau est possible. Vous devez aussi avoir un processeur qui prend en charge les extensions liées aux machines virtuelles, à savoir VT-C chez Intel. Donc ce sont des options à activer dans le BIOS, comme je l'explique sur l'article associé à cette vidéo sur itconnect.fr. Donc ça, c'est vraiment au redémarrage de la machine que vous devez activer ces options-là. Mais nous verrons que l'on peut, à l'aide d'une commande toute simple, vérifier si la machine est déjà prête ou non à accueillir Hyper-V, ou une autre solution de virtualisation comme VirtualBox ou VMware Workstation Player. Donc, concernant le reste des prérequis matériels, il faut savoir que la machine doit disposer au minimum de 4 Go de RAM, mais personnellement, je vous recommande au minimum 8 Go, puisque si vous voulez faire une machine virtuelle sous Windows 10 ou Windows Server, ce sera vraiment plus confortable si vous pouvez lui allouer 4 Go de mémoire, ce qui vous laissera 4 Go de mémoire pour votre PC physique, on va dire, et 4 Go de mémoire pour la machine virtuelle. Pour les machines virtuelles Linux, les besoins en RAM sont inférieurs, donc on pourra se contenter éventuellement d'une machine, une machine physique avec 4 Go de RAM. Donc il faut savoir aussi qu'il va vous falloir de l'espace disque pour ces machines virtuelles. Si vous souhaitez créer une machine virtuelle avec 60 Go, avec un disque virtuel de 60 Go, il faut bien entendu avoir au minimum 60 Go d'espace disponible sur son PC. Alors passons maintenant directement sur la démonstration. Donc comme je vous le disais, il y a une petite commande magique qui s'appelle SystemInfo, qui quand on l'exécute dans une console PowerShell ou un vide de commande, va nous lister des informations sur le matériel et va notamment nous afficher si la configuration requise pour Hyper-V est respectée ou non. Et là on retrouve les différents paramètres et si on a oui à toutes les lignes, c'est qu'on respecte l'ensemble des conditions et donc là c'est gagné, on peut passer à l'installation d'Hyper-V. Pour installer Hyper-V sur une machine Windows 10, on va rechercher dans le menu démarrer ici en cliquant sur la loupe, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Donc ça va vous afficher une fenêtre comme ceci et dans cette fenêtre là, vous allez parcourir la liste jusqu'à trouver Hyper-V. Au niveau d'Hyper-V, vous allez cocher donc le dossier racine, ce qui va permettre d'installer d'une part, on va dire, le moteur Hyper-V, la partie virtualisation pure, ainsi que la console de gestion Hyper-V pour manager vos machines virtuelles, mais aussi le module PowerShell pour Hyper-V que vous pourrez vous amuser à utiliser pour automatiser la création de vos VM. Donc on va cocher la case, on va cliquer sur OK. Et donc là, il va rechercher les fichiers requis pour procéder à l'installation. Donc cela peut prendre plusieurs minutes, tout en sachant qu'à la fin du processus, il faudra impérativement redémarrer votre PC pour finaliser l'installation et bénéficier d'Hyper-V. Donc comme je vous le disais, l'installation étant terminée, il faut redémarrer le PC. Donc je redémarre ma machine et je vous récupère juste après. Nous voilà de retour sur la machine Windows 10. Donc maintenant, elle a redémarré, Hyper-V doit être installé. Donc il suffit d'aller dans le menu démarrer, de rechercher gestionnaire Hyper-V. Et là vous allez avoir une application qui va apparaître comme ceci. Et donc dans le gestionnaire Hyper-V, vous allez retrouver votre serveur Hyper-V qui aura le nom de votre machine Windows 10. Donc ici, Surface Flow 7, qui est mon PC.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va créer une machine virtuelle. Donc pour créer une machine virtuelle, on peut le faire de deux façons différentes. Il y a la façon création rapide, où là c'est un assistant en fait qui va se lancer et qui va nous faciliter la création d'une machine virtuelle. Donc là c'est un environnement pour convertir des applications Win32 en version, on va dire, moderne Windows 10. On a éventuellement la possibilité de créer des machines sous Ubuntu de manière très simple et un environnement de test en Windows 10 entreprise. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est quand on va faire créer un ordinateur virtuel, l'ordinateur virtuel va se créer et Hyper-V va directement télécharger les sources sur Internet pour installer votre VM. Sinon, si on utilise la méthode classique, c'est à vous d'avoir votre DVD d'installation ou votre fichier ISO pour installer Windows 10, Windows Server ou n'importe quelle distribution Linux. Donc là, je ne vais pas faire ce mode-là parce qu'avec ma connexion Internet, j'en aurai pour à peu près 2 jours à télécharger les sources. On va prendre la méthode classique, donc on va faire nouveau ici, ordinateur virtuel. Et l'intérêt, c'est que quand vous allez utiliser Hyper-V sur un vrai serveur sous Windows Server, bah la console ce sera la même et le processus de création sera le même aussi. Donc c'est d'autant plus pertinent d'utiliser ce mode de création pour créer votre premier ordinateur virtuel. Donc on va commencer par donner un nom à cette machine virtuelle. Donc par exemple Windows 10. Ici on a la possibilité de définir un emplacement dans lequel stocker les fichiers de la machine virtuelle, c'est-à-dire le fichier de configuration, mais aussi le disque dur virtuel au format VHDX. Donc par défaut, le chemin qui est ici, c'est le chemin qui est défini dans les paramètres Hyper-V que l'on a juste ici en haut. Donc là, on va cliquer sur suivant. On a la génération de la machine virtuelle, ce qui va influencer notamment sur les fonctionnalités disponibles pour cette VM et aussi sur la partie UEFI ou non, comme on peut le voir ici. Donc pour tout ce qui est système d'exploitation Windows et Windows 10, Windows Server, on va dire les versions récentes, on peut utiliser la génération 2 sans aucun problème. Par contre, pour certaines distributions Linux, en fonction des versions, vous pouvez être contraint d'utiliser une génération 1, sinon la machine virtuelle ne fonctionnera pas et vous ne pourrez pas installer l'OS. Donc génération 2, voilà. Donc ici, on a la mémoire, donc la mémoire de démarrage, c'est-à-dire que l'on va affecter de la RAM à la machine virtuelle. Donc par exemple, pour lui affecter 4 Go de RAM, on va faire donc 1024 x 4, ce qui nous donne 4096 Go. Ici, on a la mémoire dynamique, donc moi, je préfère la désactiver. La mémoire dynamique va permettre d'allouer de la RAM à la machine virtuelle en fonction de ses besoins, en fonction de la demande. C'est-à-dire qu'on va mettre une RAM dynamique, par exemple, entre 4 Go et 12 Go sur la machine virtuelle. Et c'est la VM, en fonction de ce que vous lui demandez de faire, qui va demander à votre serveur Hyper-V, tiens, donne-moi un peu plus de RAM parce que j'ai besoin de lancer des applications supplémentaires, j'ai besoin de plus de RAM. Donc voilà, c'est vraiment la RAM dynamique, l'affectation de la RAM qui va varier dans le temps. Si vous voulez voilà, avoir une affectation de mémoire fixe, et ben vous mettez ici la valeur et vous décochez cette option. Donc concernant la mise en réseau, donc on a le mode non connecté, donc là ça veut dire que la machine n'est pas connectée au réseau, donc c'est comme si le câble réseau n'était pas branché. Et on a le switch par défaut qui est ici et auquel on va s'intéresser juste après. Donc pour l'instant on va laisser sur non connecté. Donc là on a la création d'un disque dur virtuel, donc au format VHDX comme le disait tout à l'heure. Là on a l'emplacement du disque et sa taille. Donc on peut mettre comme taille par exemple 40 Go pour créer une machine virtuelle Windows 10 toute simple. On peut aussi également utiliser un disque virtuel existant ou attacher un disque dur virtuel plus tard. Donc ici on va créer un nouveau disque à cet emplacement. Donc là on clique sur suivant et là on va en fait cocher sur cette option là et on va cliquer sur parcourir pour aller chercher le fichier ISO que l'on va utiliser pour installer Windows 10. Donc une fois que le fichier ISO est indiqué, on clique sur suivant et sur terminer. Donc là, il est en train de créer la machine virtuelle et on voit ici qu'elle apparaît dans un état désactivé, c'est-à-dire qu'elle est éteinte pour l'instant. Maintenant, avant de la démarrer, je vous propose de voir les options de cette machine virtuelle. Donc on va faire un clic droit sur la VM. On va cliquer sur paramètres
Et au niveau des paramètres, donc on peut voir que l'on a ici la possibilité déjà de modifier l'ordre de démarrage. Donc on va d'abord démarrer sur le lecteur de DVD, donc qui va monter l'image ISO que l'on a choisi précédemment. On a la possibilité également de booter en PXE sur le réseau. Donc si vous avez un serveur de déploiement sur MDT ou WDS par exemple, vous pouvez booter la machine virtuelle sur le réseau et installer la VM de cette manière. Et enfin, on boot sur le disque dur. Le démarrage sécurisé, donc c'est tout ce qui est le mode protégé de Windows 10, donc pour une couche de sécurité supplémentaire. Là, on retrouve bien la RAM avec la notion de mémoire dynamique. Ici, on a le processeur. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi, lors de la création de la machine virtuelle, l'assistant ne nous propose pas de gérer l'affectation CPU à la machine virtuelle. Donc c'est obligatoirement, il faut y revenir comme ça dans un second temps, en allant modifier les paramètres de la VM. Donc par défaut, lorsque l'on crée une machine virtuelle sur Hyper-V, il y a toujours un processeur virtuel d'affecté. Pour avoir une machine qui tourne un peu mieux, on va lui affecter deux CPU. Après, on peut monter beaucoup plus ou se contenter d'un seul. Tout dépend aussi de ce que l'on veut faire au sein de la machine virtuelle. Là, on retrouve la partie contrôleur SCSI avec notre disque dur virtuel, le lecteur DVD donc avec l'image ISO, la carte réseau qui est donc connectée ici à aucun switch virtuel, donc nous n'aurons pas de réseau sur la machine. On peut ajouter en fait des cartes réseau supplémentaires si on le souhaite. Ici, on peut accéder aux fonctionnalités avancées et on peut également gérer la bande passante, c'est-à-dire une bande passante maximale que la VM peut utiliser. Et on peut aussi activer le tag au niveau d'un VLAN. Donc ça, c'est intéressant, notamment sur un serveur, si vous avez un lien trunk qui sort de votre serveur pour aller vers un switch et vous souhaitez utiliser plusieurs VLAN dans ce lien. Ici, on a le nom de la machine virtuelle. Je vous invite également à mettre une petite description quand c'est un serveur. Mettez par exemple son rôle ou qui l'a créé ou des choses comme ça pour savoir exactement à quel type de machine virtuelle vous avez affaire et à quoi elle sert. Tout en sachant que la description que vous mettez ici s'affichera ici là au niveau des remarques. Donc, ensuite, on a la partie service d'intégration où là, on va pouvoir gérer tout ce qui est la prise en charge, notamment des clichés instantanés pour la partie sauvegarde. Les services d'invités que je vous invite à activer pour avoir une meilleure interaction entre l'hôte physique Hyper-V et la machine virtuelle. Donc ça va en fait installer un exécutable dans la VM pour optimiser cette relation entre les deux parties. Et on a la synchronisation date-heure ici que je vous conseille de désactiver, notamment en entreprise sur des serveurs qui sont connectés à un domaine Active Directory. En fait, si vous cochez cette option-là, la VM va synchroniser la date et l'heure à partir de la date et l'heure du serveur Hyper-V et donc du PC physique. Si vous décochez cette option, la VM devient totalement indépendante à ce niveau-là. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a la partie donc, snapshot, point de contrôle. On a la partie action de démarrage automatique. Donc là, on va pouvoir dire, quand je démarre mon PC, je veux que la VM démarre automatiquement, seulement si elle était déjà démarrée quand j'ai éteint, ou alors je ne veux pas la démarrer automatiquement, donc là on va cliquer sur rien, ou on peut souhaiter la démarrer, mais on attend par exemple 60 secondes. Donc là on va cocher cette option, et on va mettre 60, comme ça quand le PC va démarrer, 60 secondes après, la VM va démarrer elle aussi. Donc comme ça on gère un petit décalage, ce qui laisse le temps à votre PC de démarrer tranquillement, sans démarrer immédiatement la VM et lui en fait alourdir encore plus le processus de démarrage. Donc c'est notamment intéressant en entreprise quand vous avez des serveurs avec plusieurs VM. Si par exemple vous avez un serveur de base de données avec un serveur web, il est préférable de démarrer en amont le serveur de base de données, de mettre une temporisation sur la VM serveur web pour qu'elle démarre un peu plus tard, une fois que le serveur de base de données a fini de démarrer et qu'il a bien lancé toutes les instances et que les bases de données sont opérationnelles. Donc voilà l'intérêt notamment de cette fonctionnalité. Et on a la même chose pour ce qui est l'arrêt. Donc là, on peut mettre en mémoire, c'est-à-dire que la machine virtuelle va se mettre en pause lorsque l'on va éteindre l'ordinateur. On peut éteindre l'ordinateur virtuel, c'est-à-dire que là, on va vraiment faire un arrêt brutal de la VM. Et on a arrêter le système d'exploitation invité, où là en fait c'est Hyper-V qui va envoyer
un signal d'extinction propre. Et là, Windows va s'éteindre de manière très propre, comme on éteint, nous, notre PC au quotidien en allant dans le menu démarrer, en fait. Donc ça, c'est vraiment l'option à privilégier, mais qui nécessite l'utilisation des services d'intégration que l'on a coché juste au-dessus. Donc, je le dis depuis le début, je parle des fois d'ordinateur virtuel, de machine virtuelle et de VM. Voilà, ça parle vraiment de la même chose. VM pour Virtual Machine, c'est un terme que l'on utilise très couramment. Donc maintenant, on va cliquer sur OK. Et avant de lancer l'installation de notre VM Windows 10, je vais vous parler des commutateurs virtuels. Donc tout ce qui est la virtualisation au niveau réseau, on va dire. Donc là, on va cliquer sur gestionnaire de commutateurs virtuels. On voit qu'ici, on a un switch par défaut qui s'appelle Default Switch, qui est de type réseau interne. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Hyper-V propose, comme on peut le voir ici, trois types de commutateurs virtuels. Concernant les trois types de commutateurs virtuels, donc externe, interne et privé, je vais vous expliquer rapidement, tout en sachant que sur notre site itconnect.fr, vous pouvez retrouver un article dédié qui vous explique en détail ce que sont ces trois types de commutateurs virtuels. Donc le type de commutateur virtuel externe va permettre à la machine virtuelle d'utiliser l'une des cartes réseau de votre PC physique, donc soit la carte réseau RJ45 Ethernet ou la carte réseau Wi-Fi, ce qui va permettre à la VM d'avoir accès à la même connexion réseau que votre PC. Donc si l'on fait ça, ça permet notamment d'accéder à Internet depuis sa machine virtuelle. Ensuite, on a le commutateur virtuel de type interne. Donc là, la machine virtuelle va pouvoir communiquer avec votre PC, avec votre serveur Hyper-V, on va dire, mais elle ne pourra pas utiliser la connexion réseau de votre PC. Donc là, c'est vraiment des communications seulement entre votre machine virtuelle et votre PC, mais aussi entre les autres machines virtuelles qui utiliseront le commutateur virtuel interne qui est associé à la VM. C'est-à-dire que si vous créez un commutateur virtuel interne qui s'appelle Switch 1 et que dessus vous connectez trois machines virtuelles, ces trois machines virtuelles-là pourront communiquer entre elles et elles pourront communiquer aussi avec votre PC, votre hôte Hyper-V. Ensuite, on a le commutateur virtuel de type privé. Donc là, c'est encore un cas différent avec un niveau d'isolation supérieur, où là, c'est seulement les machines virtuelles entre elles qui vont pouvoir communiquer. C'est-à-dire que là, en fait, par rapport au mode interne, on ne peut plus communiquer avec l'hôte Hyper-V. Là, c'est vraiment de la communication entre machines virtuelles communiquées à ce même switch virtuel. Bon, ce qui va être intéressant, nous, pour installer Windows 10, c'est quand même d'avoir accès à Internet. Donc, on va créer un commutateur virtuel de type externe. On va le nommer. On va le nommer LAN, par exemple. Ici, on va choisir la carte réseau à laquelle que l'on veut associer à ce switch virtuel-là. Donc, si vous êtes en Wi-Fi, il faut choisir votre carte Wi-Fi. Et là, on a une option qui s'appelle « Autoriser le système d'exploitation de gestion à partager cette carte réseau ». Donc, si vous désactivez cette option, la carte réseau Wi-Fi sera affectée aux machines virtuelles et votre PC Windows 10 ne pourra plus utiliser la carte réseau. Donc elle est vraiment réservée au VM. Donc ça, c'est bien sur un serveur où vous avez plusieurs cartes réseau pour faire des affectations au niveau des flux, on va dire. Mais sur votre PC, comme aujourd'hui, PC Windows 10 avec, je pense, une seule carte Wi-Fi ou une carte RJ45, il ne faut surtout pas décocher cette option. Il faut la garder cochée pour que le PC puisse continuer à utiliser la carte lui aussi. Donc là, on va cliquer sur OK. Donc on peut avoir, comme ils le disent, une petite coupure réseau le temps qu'Hyper-V en fait reconfigure tout ça. Avant de procéder à l'installation de la machine virtuelle Windows 10, on va retourner dans ses paramètres, comme ceci, et on va lui affecter le commutateur virtuel que l'on vient de créer, donc le LAN, LAN-VM, vous lui donnez le nom que vous voulez. On clique sur Appliquer et OK. Donc là, la machine virtuelle va pouvoir utiliser la carte Wi-Fi du PC. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de nouveau un clic droit. On va cliquer sur « Démarrer » et on va double-cliquer sur la VM pour ouvrir la fenêtre et se connecter à elle. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est être relativement rapide pour en fait déclencher le boot sur le DVD. Donc on va cliquer ici sur le petit bouton « Réinitialiser » pour faire un reset en fait de la VM.
comme ceci, réinitialiser, voilà. Et là, hop, on appuie sur une touche pour lancer le démarrage sur le fichier ISO que l'on a précisé dans les paramètres de la VM. Donc là, on arrive bien sur l'installation de Windows 10, donc installer maintenant. Et là, il ne vous reste plus qu'à suivre le processus d'installation jusqu'au bout, comme on le fait sur un PC physique finalement, et vous allez arriver à la fin sur le bureau de Windows 10 avec une machine virtuelle toute prête pour réaliser vos tests et suivre notamment les tutoriels que je vous publie sur le site avec un environnement de test adapté. Si vous avez des questions au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site IT Connect ou sur cette vidéo. J'essaierai de vous répondre autant que possible. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime, c'est toujours sympa. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'admin système et réseau. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao !